Bonjour à tous, moi c'est Stéphanie et je suis la directrice du centre équestre de La Rose. Aujourd'hui, je vais vous faire 10 faits sur Crin-Blanc. Tout d'abord, Crin-Blanc a entre 19 et 20 ans. Numéro 2, il était avant dans un ancien centre équestre où il est resté presque toute sa vie et là, nous l'avons racheté avec pas mal de chevaux de là-bas et donc il fait maintenant... il est dans notre centre équestre. Fait numéro 3, il est monté par un peu des débutants. Il peut être monté par des expérimentés, mais pour eux, ce n'est pas... Comment dire? Pour eux, ce ne serait pas le cheval... il est vraiment très très facile, donc il est surtout monté par les débutants. Fait numéro 4, c'est un ongre. Donc, voilà. Fait numéro 5, sa race c'est un lipizan. Alors je sais que Crin-Blanc c'est le nom d'un camargue, mais bon, c'est un lipizan. Fait numéro 6, il me semble qu'il a déjà eu un poulain ou deux dans un ancien centre équestre. Fait numéro 7, il arrive très bien à monter dans le van, il est vraiment pas du tout compliqué pour ça. Il a vraiment pas du tout du mal à monter dans le van. Fait numéro 9 ou 8, je ne sais plus. Il est très bien dans toutes les disciplines, il y arrive vraiment à toutes les disciplines, hein, voilà. Fait numéro 9 ou 10. Bon, au pire, on en fera une de trop. Il a fait quelques concours, mais il n'en fait pas souvent car il devient un peu vieux. Donc, c'est pour ça. Et fait numéro 10 ou 11. Beaucoup de personnes l'aiment car il est très docile, confortable et très gentil. Donc voilà, c'était tout pour les 10 faits sur Crin-Blanc. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et au revoir !